dans les prochains jours, en Estrie et dans la Naudière aussi. Il y a des chauffeurs d'autobus qui viennent de déclencher une grève dans l'espoir d'améliorer leurs conditions de travail. À Saint-Lin-Laurentide et Radon, les chauffeurs de deux transporteurs vont être en grève tout le mois de mai. La question salariale est au cœur du litige. Josée Dubé, présidente du secteur transport scolaire pour la Fédération des employés du service public. Bonjour. Bonjour. Donc, on a vu des grèves à Montréal, à Laval il y a deux semaines, il y a eu Québec aussi, l'Estrie. Et là, chez vous, dans la Naudière, les revendications qui semblent les mêmes partout. Donc, vous souhaitez avoir un rattrapage salarial? Oui, effectivement. Vous avez tout compris. Ça explose partout. C'est une résultante directe, en fait, de l'argent que les transporteurs ont reçu au mois d'août 2022. Il y a eu une grande bonification des contrats. Les transporteurs avaient besoin d'argent, entre autres, pour mieux payer leurs chauffeurs d'autobus. Ça, c'était dans leur argumentaire. L'argent, ils l'ont. Maintenant, à la table, ça ne se reflète pas. Ils n'ont pas l'argent pour nous payer, disent-ils. Ils en ont besoin seulement pour le fonctionnement et pour l'électrification. Alors, ça, c'est la goutte vraiment qui fait déborder le vase. Nous, nous faisons tourner et les véhicules et les compagnies. Nous devons absolument avoir de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Puis nous, on n'a pas de fonds de pension, on n'a pas d'assurance, on n'a pas... Pas d'avantages sociaux. Non, il n'y a aucun avantage social. Le salaire y est. On travaille, il n'y est pas, en fait. On travaille un peu le matin, un peu l'après-midi. C'est des heures coupées. Et en plus, c'est un travail avec de grandes responsabilités que peu de personnes veulent faire. Plusieurs employeurs, au fil des années, ça fait au-dessus de 25 ans qu'on se bat pour avoir de meilleures conditions. Avant, les transporteurs nous disaient, si vous n'êtes pas content, allez travailler ailleurs, il va y en avoir d'autres qui vont le faire. Mais là, en ce moment, avec les bris de service et la pénurie de main d'œuvre, les autres qui viennent travailler, ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce que le salaire n'y est pas. On doit absolument avoir la reconnaissance des employeurs et surtout le respect. Le gouvernement a donné l'argent, ça doit systématiquement descendre dans nos poches. C'est impératif et vous le voyez, à travers le Québec au complet, les gens, ils sont informés et c'est franchement odieux de dire qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire, surtout quand on leur demande, bien alors, prouvez-nous que vous êtes dans l'incapacité de payer. On va comprendre. Montrez-nous les livres, donnez-nous des preuves. Et quand on est rendu là, jamais on a de réponse positive. Ils disent toujours, non, 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 on ne nous montrera pas vos livres. Bon, bien, parfait. Alors, si vous ne les montrez pas, c'est parce qu'effectivement, vous êtes dans la capacité de payer. Mais la colonne de chiffres qui s'appelle profit, elle est plus importante que les chauffeurs. Ça fera. Franchement, ça fera. Dans le contexte actuel, ça ne doit pas être évident non plus d'aller recruter justement du personnel. Là, il y a grève d'un mois. Ça touche combien d'élèves, ça? Ça touche plusieurs centaines. Là, si vous me parlez, celle de la Naudière. Oui, la Naudière, Radon et Saint-Laurentide, entre autres. Oui, plusieurs milliers d'enfants, en fait. Mais je suis heureuse de constater, par contre, que les parents sont derrière nous. Ils sont les seuls, en fait, conscients du travail qu'on fait. Quand ils mettent leurs enfants dans notre autobus, ils savent qu'ils sont en sécurité et qu'on aime notre travail. Il y a un employeur qui me dit, si vous pouviez arrêter de dire que vous avez des mauvaises conditions, on aurait peut-être plus de chauffeurs. Non, non, je m'excuse, là, c'est pas qu'on... Il faut le dire, en fait, pour qu'on puisse gonfler ce salaire-là et ces conditions de travail-là. Et quand ça se fera, vous allez voir qu'il y aura plus de chauffeurs. Donc, même pour un mois de grève, là, les parents vous appuient parce qu'on s'entend qu'ils vont devoir se trouver un plan B pour la plupart, là. Oui, effectivement, ils nous appuient. On voit de la solidarité entre les parents et plusieurs commentaires. On reçoit des appels. Ils viennent sur la ligne de pitage avec les enfants, d'ailleurs. Ils nous envoient des saluts puis des pouces dans les airs. Ils sont contents de pas la grève. Bien, on souhaite que votre message soit entendu, Madame Dubé, présidente du secteur du transport scolaire pour la Fédération des employés. Merci beaucoup d'avoir été là. Mario.